La protection des océans sera la cause défendue par la route du Rhum 2018. L'organisateur de la course a en effet rejoint l'appel pour l'océan, bien commun de l'humanité, lancé par plusieurs personnalités liées à la mer. Nous avons lancé cet appel pour l'océan bien commun de l'humanité le 8 juin dernier. Nous sommes 5 rédacteurs. Ça fait déjà plusieurs années que nous réfléchissons les uns les autres dans différents cadres sur ce concept d'océan bien commun de l'humanité. Et en fait, au-delà des zones économiques exclusives, l'océan n'appartient à personne. Il n'a pas de statut juridique. Eh bien, nous proposons qu'il appartienne à tous et que nous en ayons une responsabilité collective. Ça veut dire que quand l'océan souffre, c'est nous tous qui souffrons. Quand l'océan est en meilleure santé, c'est nous tous qui aurons demain une meilleure santé. L'océan, c'est l'absorption de la moitié du CO2 qu'on émet, et l'absorption d'une bonne partie de la chaleur. Sur le long terme, ça ne peut pas durer. Mais l'océan, aujourd'hui, permet à la Terre d'avoir une résilience bien plus forte que la résilience qu'aurait la Terre si l'océan n'était pas là. Donc sauver l'océan, c'est véritablement protéger l'humanité. Alors ça paraît complètement utopique de dire oui, nous demandons à ce que l'océan soit reconnu comme un bien commun de l'humanité au niveau international, parce que bien évidemment c'est à l'ONU que ça se joue, sauf que nous saisissons l'opportunité effectivement d'une négociation qui vient de s'ouvrir aux Nations Unies sur la haute mer. En fait, qu'est-ce qui va se passer? La négociation va durer plusieurs années. La notion qui va être posée sur la table de la négociation, c'est d'étendre à la colonne d'eau dans cette haute mer eh bien, ce qui vaut pour le fond marin, c'est-à-dire que la colonne d'eau serait patrimoine commun de l'humanité et non pas bien commun. Patrimoine commun, il y a une notion d'appropriation. Et donc nous travaillons à ce que la France fasse cette proposition de bien commun. Alors elle ne la fera pas en direct puisque la France parle au travers de l'Europe. Donc vous imaginez toute la démarche diplomatique que nous devons mener. Et puis en parallèle, mobiliser la société civile, d'une part, afin qu'elle fasse pression, qu'elle montre qu'elle veut que l'océan soit reconnu comme un bien commun, mais aussi la mobiliser pour lui montrer que tout à chacun, nous sommes responsables. Ensuite, il faudra que l'on arrive à faire comprendre encore beaucoup plus loin, à l'intérieur des terres, à celui qui ne s'occupe pas de la mer au quotidien, que l'océan, c'est important pour lui. Il faut aussi, par des petits gestes, ne pas jeter n'importe quoi dans l'eau, ne pas jeter n'importe quoi dans l'atmosphère, parce qu'un jour ou l'autre, ça finit par atterrir dans les océans. Quand vous laissez un sac plastique s'échapper dans l'atmosphère, il va probablement atterrir dans un fleuve, atterrir dans la mer, et il mettra 50 ans, 100 ans à disparaître, et peut-être encore beaucoup plus sous forme de microplastiques qui vont tuer des espèces, etc. Et finalement, revenir à l'intérieur de la chaîne alimentaire pour l'homme. Donc, c'est tous ces petits gestes-là qui sont possibles pour tous les citoyens. Cet appel pour l'océan bien commun de l'humanité, c'est un sacré engagement, c'est une belle aventure. Lors du départ de la route du Rhum prévue le 4 novembre prochain depuis Saint-Malo, les skippers sont invités à hisser un drapeau aux couleurs de l'appel pour l'océan. Quelques jours auparavant, le 30 octobre, une grande conférence est prévue dans la ville bretonne. Des navigateurs, scientifiques, acteurs privés et publics parleront de leurs engagements en faveur de la protection des océans. Rendez-vous ensuite en Guadeloupe pour fêter l'arrivée des voiliers engagés dans cette 11e édition de la route du Rhum.